Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui en vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller jouer le tag SSJ4 en Legends Battle Royale avec la team GT. Car ce mois-ci, il faut une team GT pour ce LBR. Et bien voici ce que j'ai fait, le tag SSJ4 forcément les amis. En plus, je kiffe jouer cette carte, c'est vraiment un délire comme j'ai pu vous le dire hier en live, accompagné du C17 GT qui est à 8 étoiles, donc c'est pas dégueulasse non plus. Et bien évidemment, j'avais envie de me faire kiffer, je vais prendre le Goku SSJ4 Zenkai LF. Et ensuite, le Super 6-7, le Goku 4 et également le Kid Goku GT pour les points de vie. Voilà, il booste les points de vie de toute la team GT, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis bah c'est de là, voilà, pour la Cap Z Zenkai. Bref, les amis, je crois que j'ai déjà fait 5 combats, 5 victoires. Il m'en reste 3 à faire aujourd'hui. On est parti ensemble. Max de pouce bleu en mode Geki Dama. Yeah ! Team GT en face de nous, forcément, il n'y a pas de surprise. On est en LBR spécial Team GT. Donc voilà, je prends ces 3 là. On va voir un petit peu ce que ça va donner face à sa team GT également. Moi franchement les gars, dites-moi vous aussi ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Je trouve ça plutôt cool, je trouve ça vraiment pas mal, le fait d'avoir des catégories, voilà, des choix un peu spécial concernant ce LBR. En gros, tu peux pas mettre la team que tu veux, et ça, pour le coup, je trouve ça bien. C'est un petit plus du PVP, et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Ok, donc là, il a, ouf, allez, 14 étoiles, ouais, le Zenkai du Goku 4, faut faire gaffe. 8 étoiles comme moi, le C17, et 7 étoiles comme moi, le Goku SSJ4. Sauf que moi, j'ai ma carte SSJ4 en tag, et ça, pour le coup, je kiffe. Allez, let's go. Ça passe. D'accord, il a déjà utilisé l'ATP. Ok. Voilà, c'est parfait. Huch. Donc voilà, le tag. Hein. Le tag dans toute sa splendeur. Donc là, on va mettre lui. Hop, voilà. Huch. Charge step. Ok, il m'a enlevé la carte. Voilà, hop. On revient. Voilà. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Il a esquive direct. Ok, là ça va me faire mal un peu. Là ça va me faire mal, mais faut encaisser. De toute façon, avec le main de C17 GT, je récupère des points de vie s'il y a besoin. Donc là on va faire l'aspect. Allez, le tag. Ok, il a mis le C17. Et ça fait mal, et ça fait mal. Hein. Voilà, lui il a fait son main, il récupère des PV forcément. Donc là voilà, hop. Là on va switch sur le Vegeta et là ça va faire mal. Et là, il a eu le temps de remettre, du coup, le Goku 4. Donc là, le main. Hop, voilà. Et là, vous regardez avec la team GT. Je suis full life. Hein. Je suis full life. C'est un délire. C'est un délire. C'est ça qui est intéressant, en fait. Ok, la deuxième TP. Donc là, voilà. Voilà. Huch. Voilà. Let's go. Encore. Voilà. Je vais mettre le tag. Et je vais Rising Rush, je me pose même pas de questions. Voilà. Il met le Super 6-7, tant mieux. Enfin, pas le Super 6-7, le C17 GT. Avant de devenir le Super 6-17, pour ceux et celles qui ont vu Dragon Ball GT, ça passe. On se fait pas contrer Rising Rush. On prend. Et là, pour le coup, on est vraiment pas mal. Allez, let's go. Alors, faire attention, il a également Rising Rush. Mais j'ai le Goku SSJ4 type jaune LF, au cas où, pour faire la TP. Lui, il avait déjà utilisé ses deux TP, mais pas moi. Ok, parfait ça. Voilà. Bah, et les gars, on est full life. Hein. C'est incroyable cette team. Cette team GT est incroyable. Je suis vraiment content que la team GT soit revenue sur le devant de la scène. Hein. Hop là. Allez, il en reste plus qu'un. Ça s'est vraiment bien passé. C'est vraiment bien passé. Le LF. Oh bah là, ça va être le LF. Voilà. Non ! Il n'a pas laissé le LF. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, on aurait assisté au Ryuken du SSJ4 LF. Bah. Je sais pas si vous, si vous vous rendez compte de la dangerosité de cette team. C'est un délire. C'est vraiment puissant, la team GT. Ok, là, il a le tag en face. Bah, écoutez, moi, je vais pas me casser la tête. Hein. On prend les 3 mêmes et on recommence. Donc là, il a le tag à 6 étoiles. Il a un C17 à 10 étoiles, vraiment bien étoilé. Le Super C17 également free-to-play, 14 étoiles. Faut faire gaffe, hein, ça peut être plutôt pas mal. On va voir un petit peu, du coup, ce qu'il va prendre. Let's go. Ok, le tag, forcément. Ah, il a pris le Gogeta.
Très bien, le Gogeta. Alors, j'aurais pas fait ça si je serais de lui, parce que 3 étoiles, c'est un peu léger. J'aurais même privilégié le Super C17 type jaune, tu vois. Mais bon, chacun joue à sa manière. Let's go. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez. Ok, parfait. Ish. Voilà. Ok, il met le Gogeta. Très bien. L'aspect. Donc là, il y en a une deuxième, normalement, en poche. Faut que je fasse gaffe. Voilà. Ah d'accord, mais j'ai pas compris. J'ai voulu esquiver, il a pas esquivé. Ok, parfait ça. Voilà. Ish. Voilà. Voilà. L'aspect. Et là, normalement, ça va être le kill, hein. Ça va être le... Oh, pff, allez, le tag à la cuisine. Oh là 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 là. Ok, donc là, faut que je fasse gaffe. On va remettre le C17 là-dessus. On n'oublie pas, il y a le main, donc c'est pas grave si on prend des dégâts. On pourra récupérer des points de vie s'il y a besoin. Ok. Voilà. J'ai la TP avec le Goku SJ4 si besoin. Le Goku SJ4 LF type jaune. Ok, il rattaque encore. Ok. Je vais... Ouais. Vas-y, je laisse. Il devrait tanker. Il va me faire mal quand même. Mais vu que j'ai le main, que je peux récupérer de la vie, je laisse le C17. Ok, c'est bon. J'ai bien fait. Voilà. Et hop, j'ai récupéré de la vie. Donc c'est ça qui est fort. Et là, par contre, lui, ça va lui faire bobo. Ah, lui, ça va lui faire bobo. One combo ou pas? One combo ou pas? One combo ou pas avec le super... Avec le C17, pardon. Ah bah oui. Ah bah voilà. Bah c'est la cuisine, la taloche, la tartine de Nutella dans les jupons de ta mère. C'est un délire. Eh, le C17, les gars, c'est un délire. Oh bah là, ok. On peut LF. Ok, on va pouvoir LF. Incroyable. 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 Oh là 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 là. Let's go le LF. 1, 3, non. Il a encore un HP. La puissance, les amis, la puissance de cette team GT. Franchement, je suis trop content que cette team soit revenue sur le devant de la scène. Nombre de victoires, c'est incroyable. On a déjà 8000 points. C'est fort. Pourtant, on joue, voilà, team GT face à de la team GT. Mais franchement, c'est un régal. Je kiffe. Ok, oh, tag 8 étoiles et le C17-14. Ah ouais, je prends les 3M, mais là, les gars, 14 étoiles. Ah ouais, là, ça va arracher de la bouche, hein. Et puis 8 étoiles le tag. Ah ouais, là faut pas bégayer les genoux. Ah ouais, là faut pas bégayer les gars. Let's go, on va voir. Et puis je sais même plus où j'en suis là un petit peu en termes de nombre de combats. Mais pour l'instant, je n'ai eu aucune défaite. Donc c'est plutôt pas mal. On rappelle qu'avec les récompenses, on peut avoir des cristaux, tout ça, des PZ dans le marché. Ok, parfait. Let's go. Donc là, je vais faire monter la jauge. Au cas où s'il y a besoin pour switcher sur le Vegeta SJ4. Parce que là, le C17 14 étoiles, il pourrait me causer des problèmes si j'ai pas le Vegeta. Et j'ai pas pu esquiver. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok. 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 Oh ouais. Donc là, il a encore des cartes. Forcément. Ouais, il fait mal. Hein. Il fait très mal. Ça a lagué là. C'est pour ça que j'avais pas pu esquiver tout à l'heure. Ça a lagué. Je crois que c'est devenu un bot. Je sais pas. Je crois, les amis, si je dis pas de conneries. Mais je sentais que la game elle était pas très très fluide. Hein. J'avais pas pu esquiver le coup. Et là, je me rends compte que. On va voir. On va voir quand il attaquera. Mais. Let's go. C'est 17-14 étoiles. Ça tank. Hein. Ça tank, hein, les gars, vous le voyez. Hein. Let's go, la verte. Ça fait kiffer. Huch. Voilà. Voilà. Là, il n'y a plus de lag. Là, c'est bien plus fluide. Là. Et là, fais voir. Alors. Il a remis le C17. Dommage que j'avais pas switch sur le Vegeta. Parfait, ça. Voilà. Ok. La cover, ok, très bien. Voilà. Ouf, oh les dégâts par contre.
Ok, la TP. Ok, d'accord. Hop. Petite TP, voilà, à mon tour. Ha. Forcément, voilà, à mon tour. Ok. Voilà. Bon, Rising Rush, les gars, on se prend pas la tête, hein. En plus, il met le tag. C'est parfait. On va mettre la Blast. Ne me le contre pas, ça m'arrangerait. C'est pas mal, là. Pour l'instant, c'est pas mal. Il me l'a contré, bien évidemment. C'est un délire. Hop, petite tape-attaque, voilà. Tranquille. Donc là, la verte, elle expulse. Bim. Voilà. Et on combo. Donc là, on va mettre Vegeta, et là, ça fait mal. Ich. Voilà, dès qu'il y a Vegeta, là, ça fait mal face à du violet. Oh là 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 là. Et c'est le chaos. Ok, très bien. Ok. Cette fois-ci, on va peut-être pouvoir faire le LF. Voilà. Ok. Ok. Le petit LF. Ryuken du SJ4. Au moins, on pourra avoir le LF. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors je crois qu'il me reste encore un combat. Un combat à faire. Et pour l'instant, on est bien, on a que des victoires. Donc ça, ça fait plaisir. Pour les récompenses, comme j'ai pu vous le dire, au cas où, pour les nouveaux joueurs, pour ceux et celles qui ne savent pas, avec les combats que vous faites en LBR, donc en Legends Battle Royale, vous récupérez des médailles. Avec ces médailles, vous pouvez les échanger contre des cristaux, contre des PZ, contre voilà, pas mal de choses qui sont dans le marché. Et c'est plutôt pas mal. 8500 points et 7 victoires. Eh ben, on continue. Oh lolo, un rang god. Oh lolo, 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 lolo. 6 fois rang god. 2203 GG. Ah ouais. Ah ouais, ok. Là, les gars, va pas falloir bégayer. Hein. En plus, il a une belle team. 6 fois rang god. 2203 GG. Ok. Et puis, bah là, il a quasiment la même team que moi. Un peu plus étoilé, mais ça va. Ça va, c'est bon. C'est équilibré, quoi. Bon, bah là, c'est maintenant qu'il va falloir tout donner, les gars. 6 fois rang god en face de nous. Est-ce qu'on a le niveau ou pas? Let's go. Ok. Ok, ça passe. Allez. Ok, la première TP. Ok. Aïe, ça va me faire mal. Ça va faire mal. Oh, il a failli me le one-shot. Hein. Ok, parfait. Ça expulse. Let's go. Ok. Ush. 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 Voilà. Non. J'ai voulu juste faire une one tap pour esquive et j'ai fait de la dope. Oh là là. Non, là je vais. Là il y a un kill. Il va y avoir un kill. Ouais. Le C17, je le perds. Il joue très très bien. Bah, 6 fois rang god, les gars. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On n'a pas dit notre dernier mot. Let's go. Bah, forcément, ça c'était le kill. Hein. Parfait, ça. Allez, let's go. Encore. 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 Ok. Ok, très bien. Parfait, ça. Fais mal, fais mal. Ush. Parfait, ça. On est pas mal, là. Ush. Je résine rush direct. Il a mis le C17, très bien. Ne le contre pas. S'il ne le contre pas, on est pas mal, les gars. S'il le contre, je suis mort. Non. Pourquoi? En plus, il reste de la vie de ouf. Non. Et voilà le main. Voilà. Bon, bah, c'est mort. Quand c'est comme ça, les gars, c'est mort. Oh là là, attends. Quoique. Allez. Let's go. Allez. 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 Allez.
Je suis obligé. C'est très serré. Pour l'instant, on est pas mal, les gars. Eh, franchement, on est pas mal hein, contre le mec, là. Il joue très bien. Mais comment j'ai le seum qui m'est contré le Rising Rush. C'est pas genre il me l'a contré, lui restait un PV, tu vois ce que je veux dire. C'est lui restait pas mal de vie, il a fait le main, et voilà. Oh là là, oh là là. Non. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok, il fait blast. Parce qu'il a encore son Rising Rush, là. J'ai pas le choix, sinon... Je suis obligé. Allez, strike. Il faisait des blasts. Peut-être qu'il va faire une strike. Oh, mais moi, regarde comment il m'amoche la tronche. Allez, mais un PV. Bon, normalement, je peux me soigner. Je peux me soigner, normalement. Ok, let's go. Non. Non. Ok. 1v1. Non, il a avancé direct. Non. Non, pas comme ça. GG à lui. Franchement, GG à lui, c'était une grosse game. Ça s'est joué à ça. Franchement, ce Rising Rush qui m'avait contré. Après, bon, j'avoue, j'ai contré aussi le sien. Mais ça s'est joué à ça. Incroyable, contre un si fort en God, les gars. C'est pour vous montrer que, mine de rien, bah, on a quand même progressé dans le jeu. C'est juste que bah moi j'ai pas le temps d'y jouer, je peux pas me permettre en étant père de famille, j'ai 3 enfants, tout ça les gars, vous savez, les montages vidéo et tout, je me déplace à gauche, à droite également dans les événements, les conventions, je peux pas me permettre de passer autant de temps sur le PVP, mais j'avoue qu'un de ces 4 ça me démangerait bien, histoire de voir jusqu'où on pourrait aller, quand est-ce que j'aurai la motivation ou du moins le temps de le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai serré, parce que j'avoue, Rangod là, à chaque fois que j'affronte des Rangod, soit je gagne, soit c'est serré. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà les amis pour cette vidéo LBR, max de pouces bleus. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Je suis Trunks et je viens du futur. Je sais que Sofiane le Geek réagira à tous vos commentaires dans cette vidéo.